في مجال الصحاب وفي الأخير وأنه لم يتطبق عليه وفي الإضافة إلى مسألة ليخلط مجموعة من الخلطات التي أعتبرها ذات أهمية. هنا سوف أنتقل إلى مداخلتي من حيث انتهى الدكتور الدين فيما يتعلق ببعض المقتضيات التي جاء بها قانون البنيكا والتي جاءت بواقعية الخصوصيات التي مر بها العالم ومر بها البلاد وذلك من خلال مجموعة من الإعفاءات ومجموعة من المقتضيات القانونية التي تراعي الجانب الاجتماعي لكي لا تشكل سواء الشركات أو الأفراد. ومن هنا سوف أعيد الكلمة للزميلة سواد دايم وهي عضو منتدى البحث يقدر sur eux, on peut d'ores et déjà dire que quelques objectifs
par les classiques ont été touchés plus ou moins, notamment l'intégration progressive au secteur informel. Je sais que les entreprises en souffrent énormément et les derniers chiffres de Google sont de l'ordre de 30% du secteur informel. Le secteur informel représente 30% presque de PIB. L'atténuation des coûts fiscaux, des opérations de restructuration, là aussi, il y a un énorme effort à faire pour restructurer nos entreprises, notamment tout ce qui est rapport, tout ce qui est ce qui a été le groupe, fusion, l'incitation fiscale n'est pas. Oui, on peut dire qu'il y a effectivement pour l'épargne. L'amélioration du risque d'inflation du côté contribuable, c'est encore dans le cadre de l'encouragement à le formalisme fiscal et l'allègement de fiscalité lié au secteur sportif parce que c'est un secteur de l'évolution de la loi. C'est des jeux. C'est des jeux. Alors, concrètement, la loi de finances 2021 a eu, je dirais, 4 ou 5 volets qui touchent l'entreprise. La première, à mon sens, c'est par rapport au secteur du BTP. Alors, il y avait l'atténuation des droits d'enregistrement pour encourager l'acquisition des biens immobiliers. Et là, normalement, ça devrait avoir un effet, je dirais, positif sur le secteur du BTP. Je pense qu'on peut prendre l'équité, le stock de l'immobilier qui est assez énorme. Deuxième, au niveau sectoriel, comme je disais, concerne les sociétés hors du sportif. Donc, il y a une exonération ou un abattement exceptionnel sur 4 ans, je pense, à partir de cette année. Donc, un abattement de 90% cette année, 80% l'année prochaine, 70% l'année d'après pour arriver à 70%. Il était prévu avant 2021. Comme ça, c'est pour encourager les sociétés à hors du sportif pour se conformer aux dispositions fiscales d'ordre général. Ça, c'est une manière, je dirais, de mesures sectorielles temporaires. Le deuxième volet, ça concerne les jeunes dirigeants qui parlent en région plus, c'est pour l'élargissement de l'assiette de l'intégration du civisme fiscal. L'élargissement de l'assiette est indiqué par l'intervenant derrière moi, c'est par rapport à la finance de l'État. Il faut gérer à la fois les dépenses, gérer les recettes, mais aussi optimiser les recettes. Et dans ce cadre, il va falloir élargir l'assiette fiscale pour mieux, ne serait-ce que pour mettre en œuvre les dispositions de la Constitution, notamment l'article 38 et 39, pour que tout le monde contribue à la charge de l'État. Donc, l'élargissement de l'assiette fiscale et l'amélioration du fiscal par, je dirais, trois principales dispositions, notamment la première qui touche les personnes physiques identifiées pour la première fois. Donc, c'est pour encourager les gens à s'identifier davantage et pour contribuer à la recette fiscale sans exonérer sur la période antérieure à l'identification fonctionnelle à partir de 2021. Il y a la fameuse contribution CBU, c'est pour encourager davantage les gens à pour limiter le cadre propriétaire. Et la principale solution dans ce cadre, c'est la lutte contre la facturation fictive. Ça a été salué par tout le monde. Donc, la facturation fictive pesait lourd sur la version fiscale sera drastiquement pénalisée. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième volet. Troisième volet, ça concerne aussi des entreprises qui ont le statut de CFC, donc c'est
pourrait se conformer encore une fois à l'engagement pris par le gouvernement du Front National, notamment c'est tous l'histoire de cette fameuse liste grise qui nous avons quittée dernièrement. Et ça, c'est pour modifier le régime fiscal des sociétés et ayant statut du CFC. Et ça a été normalement, vous avez des sociétés qui ont été exonérées pendant 5 ans, nous avons une réduite de 15% de façon de la génération simulée. Et puis, donc, à partir de 2021, il y a une catégorie de entreprises qui n'ont plus dans le cadre des exonérations qui se passe les CFC, notamment les établissements de crédit, d'assurance de réassurance, de courtage en assurance. Le régime ancien demeure. Trois axes principaux. J'ajouterai également les une en trois entreprises. Je sais que dans cette crise, nous allons traverser ensemble. Et moi, je pense que c'est vraiment incroyable. Et on a bien entendu la prévention, la prévention sur les nombreuses crises qui ont fermé, les pertes froides. C'est essentiellement à la crise de surtout après la reprise. Il y avait et là, on a les inscriptions, la dernière mieux, la suppression de bons enregistrements sur les avances de fonds courants, ça a été encore demandé la plus, maintenant c'est juste fait, à partir de là, il y a cette obligation de bons enregistrements, mais à une exonération de paiement. Donc les avances de fonds courants qui constituent la première source de financement d'entreprise au Maroc. Vu des conditions, je dirais, très contraignantes pour le financement d'entreprises, soit bancaires, soit boursiers, qui sont très limités à l'ensemble des entreprises, TPE surtout. Donc, c'est des avancements courants qui constituent la principale source de financement. Et là, il n'y a pas de contrat de paiement des. Paiement de l'enregistrement sur ces actifs. Il y a également, dans le cadre du financement de la situation, la réduction des droits de l'enregistrement sur les augmentations digitales par rapport aux actions. Et ça, c'était avant, c'était limité pour les augmentations de capital en général, et là, c'était rendu pour des. Par rapport en nature. Et bien entendu, avec la prolongation des avantages qui ont été tirés concernant les apports de biens immobiliers ou les apports de patrimoine personnel pour l'entreprise. Merci, Internet. C'est un peu plus important.
Voilà. C'est vraiment G. Position. Rester dans le projet de la conférence par rapport à la technique, par rapport à la technique. بالإضافة إلى
تنفيذ رسوم تشريع مطبقه في حال تقصد الشركات تطرق كذلك لنقطه مهمه وهي توزيع فيها الشركات حتى المواطنه الشفائيه نقطه اخرى تطرق لها رضوان وهي مساله الاعداد المساحه الاجتماعيه للتضامن على الارباح والدخول في عام سنه 2021 تطرق كذلك تقوية نظام الضريبة في عدم إمكانية تحمل الفوائد الاستثمارية هذه مجموعة النقاط التي قمت بانتقادها يخلص إلى خلاصة جمعية ونسب فهذه المداخلة هي مداخلة متكاملة عمل المداخلة التي سوف تتطرق لها التناول الدائم والتي جاء فيها موضوع Thank you.
كان نطاق تطبيقها محصورا في سنتين ماليتين اللي هي سنة 2019 و2020. ما الذي حدث؟ سيأتي قانون مالية سنة 2021 ويغير من أو يوسع من نطاق لا هذا كانت تحدث عن المتابعة الاجتماعية في مفهومها الذي جاء به قانون مالية سنة 2020. لابد أن نعود معكم إلى قانون مالية سنة 2012. لماذا قانون مالية سنة 2012؟ لأنه كان قد تضمن مفهوما يقارب هذه يقارب هذه وهي المساهمة من أجل دعم سينما هذا لي 3 بوين دكتور لو سون بروغرامي في البروجي ديالنا جاء قانون المالية لسنة 2021 في مشروعه الأولي ليعيد هذه المساهمة بشكل آخر ويوسع من نطاقها. هنا لابد أن نميز بهذا القانون يعني قانون المالية 2021 بين مرحلتين رئيسيتين أو تصورين: التصور الحكومي لهذه المساهمة كما وضعته الحكومة والتغييرات التي طرأت عليها. كيف كانت الحكومة تتصور هذه المساهمة الاجتماعية التضامن على الأرباح والدخول في إطار مشروعها الأولي مشروع قانون المالية 2021؟ في البداية الحكومة وضعت مشروعات أشارت إلى أن هذه المساهمة ستهم الشركات والأشخاص ذاتيين آخرين، بمعنى شركات وأشخاص ذاتيين موظفين أو مهنيين أو مستخدمي القطاع الخاص. بما يخص الشركة النسخة الأولى التي كانت يتضمنها مشروع قانون المالية كانت تنص على أن الشركة التي يقل مبلغ ربحها الصافي عن 5 مليون درهم هي معفى، يعني غير معنية بهذه المساهمة، في حين أن الشركة التي يتراوح ربحها الصافي ما بين 5 إلى 40 مليون درهم ستطبق عليها نسبة 6.5%، والشركة التي يتجاوز مبلغ ربحها 40 مليون درهم ستطبق عليها نسبة 3.5%. في حين أن الأشخاص الذاتيون موظفين مستخدمين وغيرهم الذين يتوفرون على أرباح مهنية أو دخول أو أجرة وما في حكمها ستطبق عليهم نسبة 1.5% بالنسبة للأجر الذي يساوي أو يفوق 10,000 درهم شهريا أي 120,000 درهم سنويا. هذه الأرقام التي أعطيكم الآن هي الأرقام التي وردت في مشروع قانون المالية قبل أن يتم لسنة 2021 قبل أن يتم تعديله وتغييره هذه النسب في إطار لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. أحيل المشروع على لجنة المالية بمجلس النواب كما قلت، وتم إدخال عليه مجموعة من التعديلات لكون أن هذه المساهمة الاجتماعية تضمن على الأرباح والدخول قد أثارت نقاشا واسعا وموسعا، خصوصا هذا النقاش نصب حول مدى عدالة هذه المساهمة، هل تحقق لنا العدالة، هل توزع لنا العبء بشكل متساوي بين مختلف الملزمين. هذا يدفعنا إلى استحضار المقولة الشهيرة التي يتحدث عنها فرانس مونتي برينغ، وهو المستشار الألماني وزعيم الحزب الاجتماعي الديمقراطي، يقول على أن الأكتاف القوية ينبغي أن تتحمل الأعباء الثقيلة، في إشارته إلى ضرورة كيف يمكننا أن نحقق العدالة الاجتماعية في إطار توزيع التكاليف ما بين الملزمين. العودة لهذه المساهمة أو النسخة النهائية للمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول نجدها أصبحت كما يلي: فيما يخص الأشخاص الذاتيين تم رفع سقف المعنيين بهذه المساهمة إلى 240 ألف درهم سنويا أي 20 ألف درهم شهريا، يعني أي موظف أو مستخدم أجره يساوي أو يفوق 20 ألف درهم شهريا سيؤدي نسبة 1.5% لهذه المساهمة. بما يخص الشركة تم توسيع نطاق الشركات المعنية بهذه المساهمة. كيف تم توسيع هذا نطاق الشركات؟ من خلال تخفيض الشطر
الشركات المعفيه. الشركات اللي كانت معفات في المشروع هي الشركات التي يقل ربحها عن 5 مليون درهم، في حين ان النسخه النهائيه اصبحت تتحدث على ان الشركات المعفات هي التي يقل ربحها عن 1 مليون درهم، والشركه التي يساوي مبلغ ربحها من 1 إلى 5 مليون درهم تؤدي نسبه 1.5%، في حين الشركات التي يقع هامش ربحها ما بين 5 إلى 40 مليون درهم تؤدي 2.5%، وما فوق 40 مليون درهم تؤدي 3.5%. هذه هي النسخة النهائية لهذه المساهمة، المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول في إطار قانون المالية لسنة 2021. المقتضى الثاني أو النقطة الثانية هي المتعلقة بمدى ارتباط هذه المساهمة بورش الحماية الاجتماعية. معرفة هذا الارتباط، هذه المساهمة بورش الحماية الاجتماعية، يفرض علينا أن نعود إلى قانون المالية لسنة 2012 وبالضبط في مادته 18. قانون المالية لسنة 2012 مادة 18 كان قد تضمن حسابا خصوصي يسمى صندوق دعم التماسك الاجتماعي. هذا الحساب الخصوصي المسمى صندوق دعم التماسك الاجتماعي أحدث من أجل أن يمول مجموعة من الأمور، منها تمويل نفقات المساعدة الطبية المعروفة بنظام الرميف، كذلك تمويل ورش مكافحة الهدر المدرسي، والمساعدات المالية لفائدة الأطفال المتمدرسين من أسر معوزة. هذا الحساب الخصوصي كان يتضمن مجموعة من الموارد ومجموعة من المساهمات، من ضمنها المساهمة من أجل دعم التماسك الاجتماعي التي تؤديها الشركة والتي تحدثت عنها والتي كانت قد تضمنتها المادة 9 من قانون المالية 2012. ما الذي حدث في إطار قانون المالية لسنة 2021؟ قانون المالية لسنة 2021 جاء ليغير من اسم هذا الحساب الخصوصي. الحساب الخصوصي انتقل تسميته من صندوق دعم التماسك الاجتماعي إلى صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، وكذلك تم تدعيم موارده، يعني رصد مجموعة من الموارد المالية لهذا الصندوق، من ضمنها الضريبة الداخلية على الاستهلاك، كذلك من ضمنها الواجب التكميلي المتعلق بالمساهمة المهنية الموحدة الذي تتحدث عنه الزميلة نوال أثناء عرضها للمستجدات الضريبية. ومن أهم مورد لهذا الصندوق أي صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي هو المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول. بمعنى المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي نتحدث عنها، مجموع مواردها سيتم إيداعها بهذا الحساب الخصوصي المسمى صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي. وهذا ينتقل بنا للحديث عن ورش مهم وواسع تأخذه المملكة، وهو ما ورش الحماية الاجتماعية. ما هي مضمون هذه الحماية وآلية تمويل الحماية الاجتماعية؟ نتحدث بالضبط عن القانون الإطار، قانون الذي صدق عليه مؤخرا، وهو قانون الإطار رقم 0921 المتعلق بالحماية الاجتماعية. هذا القانون الإطار الذي يحدد مفهوم هذه الحماية الاجتماعية ومضمونها في 4 نقاط رئيسية، وهي التغطية الإجبارية يعني المرض، كذلك تقاعد أي توفير تقاعد لجميع المغاربة خصوصا الغير معنيين بنظام التقاعد حاليا، كذلك التعويض عن الأبناء وفقدان الشغل. هذا ورش ولا هذه المحتويات ديال الحماية الاجتماعية تحتاج إلى تمويل يقدر ب 51 مليار درهم خلال هذه السنة، خلال سنة 2021. هذا التمويل ديال هذا الورش ل 51 مليار درهم سيتم تمويلها عبر آليتين رئيسيتين. آلية الاشتراك، بمعنى أداء الاشتراكات بالنسبة للأشخاص والقادرين على المساهمة بما قدره 22 مليار، 22 مليار درهم ستأتي عن طريق الاشتراك، و 23 مليار ستأتي عن طريق آلية التضامن. ومن ضمن هذا التضامن الذي نتحدث عنه أكيد هو ما يسمى بالمساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول التي جاءت في إطار قانون المالية لسنة 2021. إذا عدنا إلى مضمون الحماية الاجتماعية ونحاول أن نعطي أرقاما دقيقة لحجم المستفيدين من هذا الورش حتى تظهر لكم أهميته، فيكفي أن نقول بأن ورش التغطية الإجبارية عن المرض تهم حوالي 22 مليون مستفيد، 22 مليون مغربي معنيين بهذا الورش. فيما يخص تعميم أنظمة التقاعد تهم 5 ملايين مستفيد، إضافة إلى أن التعويض عن أبناء يهم 7 ملايين بالضبط 7 ملايين طفل، وفقدان الشغل يهم حوالي مليون شخص.
فيما يخص توزيع هذه المبالغ المالية 51 مليار درهم الذي تحدثنا عنه الذي يساوي التكلفة الإجمالية لورش الحماية الاجتماعية خلال سنتين ماليه خلال هذه السنة المالية، فورش التأمين الإجباري سيكلف حوالي 14 مليار ريال درهم، التعويضات العائلية ستكلف حوالي 20 مليار ريال درهم، ومنظومة التقاعد أو تعميم أنظمة التقاعد على مختلف المغاربة المعنيين بها سيكلف حوالي 16 مليار درهم، إضافة إلى 1 مليار درهم بالنسبة كتعويض عن فقدان الشغل. هذا هو المجموع ديال 51 مليار درهم اللي هو يساوي التكلفة المالية لورش الحماية الاجتماعية خلال هذه السنة. وأكيد أن ورش الحماية الاجتماعية لا يهم سنة واحدة، وإنما هو ورش مفتوح في الزمان، يهم سنوات من 2021 إلى سنة 2025. وهنا لابد أن نشير إلى أن المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول باعتبارها آلية تمويلية جزئية لهذا الورش، تم التنصيص في إطار قانون المالية لسنة 2021 على أنها تهم سنة مالية واحدة، بمعنى أن هذه المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول سيتم تطبيقها خلال سنة واحدة هي سنة 2021. هذا سيدفعنا إلى التساؤل، ولنتساءل معكم كذلك عن كيف يمكننا أن نمول ورش الحماية الاجتماعية خلال السنوات المقبلة، ما دامت أن هذه المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول تم التنصيص عليها أنها ستطبق خلال سنة واحدة. هل سيقوم القانون المشرع المالي خلال سنوات مقبلة إلى تمديد سواء يقوم بتمديد هذه المساهمة ونقلها من سنة مالية إلى أخرى، أم سيبحث عن آلية تمويلية أخرى؟ إلى هنا قد أكون استوفيت مجموعة نقاط مداخلتي حول هذه المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول ومدى ارتباطها بورش الحماية الاجتماعية. شكرا على حسن تتبعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا سي عثمان المدن رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد المالية، والذي تطرق في مداخلته لموضوع قانون المالية لسنة 2021 أي مساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية. جاء في مداخلته على تطرق إلى ورش الحماية الاجتماعية، حيث تطرق للمساهمة الاجتماعية للتضامن الأرباح والدخول، حيث بدأ بالتقرير القانوني لهذه المساهمة، حيث أعطى مدة تاريخية لهذه المساهمة، وبالإضافة إلى ذلك إلى مجموعة التصورات التي كانت للحكومة في هذه الأخيرة، حيث تطرق فيما بعد هذه المساهمة قبل قانون المالية وبعد قانون المالية 2021، وطرح مجموعة من التساؤلات حول ما بدا ارتباط هذه المساهمة في ورش الحماية الاجتماعية وربطها بقانون المالية لسنة 2012. جاء في مداخلته إلى أن ورش الحماية الاجتماعية سوف يهدف بالأساس إلى تغطية إجمالية عن المرات وكيف تقاعد وكيف تغطية الأبناء بالإضافة إلى التعويض عن فقدان الشغل، لتعالج إذا مسألة مهمة وهي إعطاء كل أرقام المستفيدين من هذا الورش ليخلص في الأخير إلى أن هذه المساهمة سوف يتم تطبيقها لن يتم تطبيقها إلا في سنة 2021. ليتساءل في الأخير كيف سوف أحاول تمويل هذه المساهمة خلال السنوات المقبلة. من هنا سوف أعرج ولا أعرف إن كان إلى نوال قد تيسر لها العطل التقني الذي منعها من التدخل في موضوع إضاءة حول أمر طالبي لقانون المالية لسنة 2021. إن لم يكن ذلك سوف ربما على حسب اللجنة المنظمة إن كان سوف يبرمجونها في جلسة ثانية. الأستاذة نوال هل موجودة معنا على الرابط؟ ربما لا. من هنا سوف نختتم ربما الجلسة الأولى التي كانت مبرمجة في أربع مداخلات، بينما تم التطرق لثلاث مداخلات على أن يتم برمجة ربما المداخلة التي لم يتم سردها في الجلسة الثانية. أحيل الكلمة لمحمد بوتبو. أنا على حسب البرنامج عندي فيها استراحة شاي، بالنسبة لاستراحة شاي واش غنديروها ولا
الجلسة الأولى التي تدارست يعني سبل إنعاش الاقتصاد الوطني على ضوء قانون المالية لسنة 2021. هناك كانت مجموعة من المداخلات القيمة من طبيعة الحال من طرف الأساتذة وأعضاء منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية. بطبيعة الحال سوف يعني جميع الأسئلة دونك سوف نناقش سوف يكون بعد الجلسة الثانية إن شاء الله. نمر بطبيعة الحال مباشرة إلى الجلسة الثانية والتي سوف يسيرها الأستاذ الكندي السعيد أستاذ باحث في المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير ببني ملال. لك الكلمة أستاذ سعيد الكندي. شكرا أستاذ بودبو. في البداية أود أن أشكر الأساتذة الكرام على الدخل ديالهم وعلى المعلومات. Donc, pour la deuxième intervention, il porte sur la fiscalité locale et l'attractivité économique régionale, c'est-à-dire il a pour objectif normalement de varier entre la fiscalité et les nouveautés au niveau de la fiscalité locale et comment améliorer l'attractivité territoriale. Et lorsqu'on parle de l'activité territoriale, comment améliorer l'attractivité de la région et j'espère par cette contribution, c'est-à-dire nous allons améliorer aussi, nous allons contribuer à promouvoir notre région, c'est-à-dire la région Khnifa. Bien sûr, sans tarder, dans ce parallèle, il y a un nombre de personnes qui vont intervenir et qui vont partager leur expérience, leur connaissance avec nos chers étudiants. Le premier intervenant, c'est M. Billa Mustafa, M. Khalid Moutani, M. Ozil Mohamed Adnan et Mme Kshiri Iman Ouliyat Arabia. Donc, sans tarder, je vais céder la parole à M. Billa Mustafa, qui est trésorier régional de Bni Bilal Khnifara. De la loi de finances 2021 à la recherche d'une relance économique. Je ne sais pas, M. Bilal Mustafa, est-ce qu'il est là? Là? Vous m'entendez? Je vais passer à l'intervenant. Donc, M. Bukhari. Je rappelle qu'il est directeur du Centre régional d'investissement de la région Bimlan Khnifara. Monsieur Bukhari. Voilà, je vais passer au troisième intervenant. Avec nous, Monsieur Ozil Mohamed Adnan. C'est le rapporteur du Conseil de la concurrence. En même temps, c'est un chercheur en économie et qui va nous parler de la nouvelle loi 7/20 sur la fiscalité locale à la recherche d'une nouvelle donne. Monsieur Ozi, à vous la parole. Merci beaucoup, cher professeur Saïd Ganis. C'est pour moi un honneur de prendre part aux travaux de cette magnifique journée d'études. Je demande, dans la mesure du possible, de partager une présentation que j'ai préparée par mes soins pour les étudiants de l'ENCG de Bni Mellal d'une part, mais aussi pour l'ensemble des étudiants qui nous suivent en ligne. Comme vous le savez, la fiscalité locale, objet de mon intervention aujourd'hui, est d'une importance cruciale. Elle rejoint l'importance citée dans la thématique générale de cette journée d'études. Et le moment de partager avec vous cette présentation, je demande, dans la mesure du possible, bien évidemment, que les organisateurs m'accordent cette autorisation. Alors, voilà. Donc, il m'est important aussi de réitérer mes remerciements à l'ensemble de l'équipe dans le backstage qui veille à la bonne organisation de cet événement. Comme vous le savez, moi personnellement, je suis présent
à l'ENCG de Bnimlal, que je suis honoré, bien évidemment, de répondre présent à toutes les fois où j'y suis invité. Alors, s'il vous plaît, Monsieur le Président, je souhaite que vous me confirmiez que ma présentation est affichée pour que je puisse commencer. Oui. Merci. Alors, avant de commencer, j'ai mis en haut à droite un code QR pour tous ceux qui suivent avec nous cette présentation. Il suffit de scanner ce code et vous allez avoir accès à l'ensemble de la présentation et des ressources bibliographiques qui m'ont permis de préparer bien évidemment cette présentation. Nous allons évoquer un certain nombre de documents qui sont également joints dans ce lien. Et pour les étudiants, il n'est vraiment pas nécessaire de prendre des notes. Toutes les informations fournies dans cette présentation vous seront livrées automatiquement. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle loi SAT20 sur la fiscalité locale, avec une thématique de la recherche d'une nouvelle donne. Ma présentation se présente comme suit. Après une brève introduction, on va essayer de voir le contexte général marocain, bien évidemment. Ensuite, on va essayer de voir les principales mesures de la loi 720 pour aborder les avantages de cette loi. Bien évidemment, on ne peut pas parler d'avantages sans parler de lacunes à combler pour en découler, bien évidemment, les recommandations. Alors, en guise d'introduction, il m'est important de réitérer le remerciement à notre cher professeur Sabri, qui est l'initiateur de cet événement, ainsi qu'au forum des chercheurs en économie et finance, que j'ai la fierté d'y appartenir également. Monsieur Saïd Ganish, notre cher professeur, je vous remercie pour cette honorable occasion pour moi de présenter un tout petit peu le fruit de mes recherches. Alors, pour situer le sujet, situer l'importance, on ne peut pas parler d'une administration quelconque ou d'un organisme quelconque, qu'il soit d'ordre public ou privé, sans prévoir le financement nécessaire pour cette institution. Alors, pour ce qui est de la fiscalité locale, bien évidemment, il y a aussi des recettes qu'on juge qui sont mal gérées, comme on juge également qu'on peut faire mieux. Il y a bien évidemment eu la réforme en 2007, mais là, nous sommes devant une nouvelle loi avec de nouvelles dispositions qui convient de les situer. Alors, la répartition des richesses est un sujet hautement discuté, comme aussi qui fait un sujet de débat dans la presse nationale qu'internationale. Alors, dans le contexte, j'ai préféré mettre ces diapositives en arabe pour que le message soit beaucoup plus clair. Et il est important de situer ce contexte, parce que 50% des recettes en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et de la TVA proviennent uniquement de 140 entreprises, ce qui est vraiment peu. Aussi, la contribution des salariés au budget de l'État équivaut à 5 fois la contribution des métiers libéraux. Donc, un salarié paye 5 fois plus l'IR qu'un métier libéral quiconque. Aussi, 73% des revenus d'impôt sur le revenu, ils proviennent uniquement de 5% des métiers libéraux. Donc, ce sont des indicateurs alarmants pour enfin parler que 3% des métiers libéraux rémunèrent pratiquement 50% de l'ensemble de l'IR. Donc, sur cette proportion de 73%, il y a uniquement 3% qui provient de 50% des métiers. Deuxième indicateur alarmant, c'est que 80% de l'IS provient uniquement de 1% des entreprises. Et l'inflation, bien évidemment, est à hauteur de 2%. La croissance, avec un taux moyen, quand je parle de 3,2%, c'est un taux moyen. Et les deux tiers des entreprises marocaines déclarent faillite et payent la cotisation minimale, Donc, les deux tiers des entreprises marocaines sont déficitaires. Donc, ça, c'est un constat. Nous sommes devant des indicateurs alarmants. Et en se rapportant à notre sujet qui a trait à la fiscalité locale, il convient de se poser la question, on en est où dans cette régionalisation avancée? Et pouvons-nous vraiment parler d'une décentralisation
territoriale. À la lumière des points que je viens de citer devant vous, j'ai essayé de dégager une problématique liée bien évidemment à la fiscalité locale. Nous sommes devant une réalité de faible rendement, de complexité et d'iniquité. Donc c'est une question récurrente qui demeure toujours posée malgré la réforme mise en œuvre depuis 2007. À cet effet, l'improductivité de la fiscalité locale est imputable aux dysfonctionnements liés à la détermination de la matière imposable et à la gestion de la perception de l'impôt local. Nous entrons directement au vif du sujet pour parler un peu des principales mesures de la loi SAT 20 et on va commencer avec la taxe professionnelle. Alors, chaque inspecteur d'impôt, chaque praticien dans le domaine, il sait très bien que la valeur ajoutée, que la valeur de locative des biens immobiliers est mise à jour chaque 5 ans avec une augmentation de 2%. La nouvelle loi, elle ramène ces 5 ans à 3 ans uniquement. Et il convient de voir dans son tableau que 80% des revenus étaient destinés au budget des collectivités territoriales, ceci dit auparavant. Maintenant, c'est 87% à la lumière de la loi SAT 20 qui seront dédiés au budget des collectivités locales. De même, pour les chambres professionnelles, il y avait lieu de 10%. Ceci a augmenté d'un point pour arriver à 11%. Et par rapport au budget de l'État, qui s'accrapait les 10% auparavant, on ne parle maintenant que de 2% des revenus de la taxe professionnelle qui seront destinés au budget général de l'État. Aussi, il est important de savoir que cette taxe sera abrogée pour les contribuables soumis au régime du forfait. La contribution professionnelle unique est une nouveauté de la loi de finances 2021 et les contribuables dans le régime de forfait n'auront plus à payer la taxe sur les services communaux, la taxe professionnelle et autres. Ils n'auront à payer que la contribution professionnelle unique. Cette nouvelle mesure augmentera sensiblement les recettes propres des collectivités locales, mais moi, à mon sens, il aurait été utile de prévoir aussi le reversement d'une partie à définir à partir des grands impôts comme l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés pour doter la région de principales ressources financières afin d'aboutir à ce grand chantier national qui est la régionalisation avancée. Parlons-en un peu maintenant par rapport à la taxe d'habitation. La loi 4706 accordait dans le temps la durée de grâce de 5 ans. De même, par rapport à la nouvelle loi SAT 20, cette nouvelle exonération est ramenée à 3 ans uniquement. Donc, par rapport à la répartition du budget, 90% était destiné à la commune et 10% au budget de l'État. Avec la nouvelle loi, 98% maintenant seront destinés au budget de la commune et uniquement 2% au budget général de l'État. La taxe d'habitation, dont le montant inférieur à 200 dirhams, n'est pas émise. Et il convient de préciser que dans l'ancienne loi, ceci était limité à 100 dirhams uniquement. Donc on est passé de 100 dirhams à 200 dirhams. Ceux qui ont un impôt moins de 200 dirhams ne se verront pas attribuer cet impôt, bien évidemment, pour le pays. Par rapport à la taxe sur les terrains non bâtis, la nouveauté, c'est que l'exonération temporaire a été échelonné sur le temps par rapport à la superficie. Donc, quand on parle d'une superficie de 20 hectares, on parle de 3 ans d'exonération temporaire. Pour les superficies entre 30 et 10 hectares, on parle de 5 ans d'exonération. De 100 à 250 hectares, de 7 ans. Et bien évidemment, de 250 à 400 hectares, de 10 ans d'exonération temporaire. Le délai sera de 15 ans à partir d'une superficie supérieure à 400 hectares. Donc cette exonération commence à partir du mois de janvier de l'année suivant celle de l'obtention de l'autorisation d'aménagement ou de développement. Son champ d'application est désormais étendu aux opérations de mise en conformité de construction illégale ou clandestine, ainsi que des opérations de démolition avec un seuil minimum de 1000 dirhams. Ceci concerne les taxes sur les opérations de construction. Par rapport à la taxe de séjour, la taxe de séjour n'a pas aussi échappé à la loi SAT 20. Elle est élargie et ne s'appliquera pas seulement aux établissements d'hébergement classés. Par exemple, les locations sous forme d'hébergement touristique, par exemple celui qui a une maison, un riad ou autre, et qui loue ce bien immobilier meublé,
il va devoir payer cette taxe de séjour. Et on parle de 2 à 5 dirhams par rapport aux hôtels et logements assimilés à 1 ou 2 étoiles. Les résidences touristiques de 3 à 7 dirhams la nuit, et bien évidemment, les villages de vacances de 5 à 10 dirhams la nuitée, les riades et les maisons et des clubs hôteliers de 10 à 25 dirhams, et les maisons d'hôtes et les hôtels de luxe de 15 à 30 dirhams. La loi 620 sur l'émission des chèques, effectivement, ne fait pas partie de la présente présentation, mais comme nous avons bien évidemment plusieurs collègues parmi nous dans, à la TGR, à la Trésorerie Générale du Royaume, quand vous avez un chèque non payé, bien évidemment, il y avait une pratique d'un taux de 5% pour la première fois, pour 10% pour la deuxième fois et de 20% pour la troisième fois. Ces taux ont été revus pour devenir 0,5% pour la première fois, 1% pour la deuxième fois et 1,5% de la troisième fois, que j'ai jugé utile parce que ceci aussi entre dans le travail de la perception. Il convient de le noter également. On arrive donc aux avantages, on arrive donc à la troisième partie de ma présentation concernant les avantages de la loi 720. Donc cette loi a essayé d'atteindre deux objectifs. Réaliser d'abord une certaine adéquation des dispositions actuelles de la fiscalité locale au changement constitutionnel de 2011, aux évolutions qu'a connu le CGI, le Code général des impôts depuis 2008, et une meilleure adaptation aux nouvelles règles de découpage administratif. Le deuxième objectif, c'est de revoir l'assiette fiscale afin d'améliorer le potentiel des recettes des collectivités ainsi que les règles d'affectation des recettes collectées entre collectivités et budget général de l'État. Dans cette même lignée, ce texte aspire à l'amélioration et à l'assouplissement des règles de recouvrement de l'impôt par l'introduction notamment de l'outil numérique. On parle de télédéclaration, télépaiement et la Direction générale des impôts a élaboré des efforts considérables dans ce volet. Cette nouvelle loi amende et complète la loi 4706, c'est-à-dire l'ancienne loi, avant la loi 720, sur la fiscalité locale, et qui constitue une première phase de réforme de la fiscalité locale. Et comme les mêmes causes produisent les mêmes effets, le corpus actuel reste incomplet et pourra difficilement remédier aux insuffisances constatées en matière de gestion et gouvernance fiscale des collectivités locales. L'enjeu principal réside dans la réalisation de l'équité, dans la répartition des richesses fiscales entre les collectivités locales et l'amélioration du rendement de cette fiscalité locale. De plus, l'improductivité et la modestie des impôts locaux sont dues à l'inégalité de la répartition des impositions entre l'État et les collectivités locales. Entre parenthèses, on parle d'une uniformité spéciale des impôts et taxes locaux, ne tenant pas compte des spécificités et des structures socio-économiques des entités décentralisées. Monsieur Saïd Ganij, lors de son introduction, allocution d'introduction, pardon, il a parlé qu'il faut que les recommandations issues de cette journée d'étude impactent notre région, qui est la région de Bnimlal Khenefra, afin de l'améliorer. Donc le problème lié à la multiplicité et la complexité de cet axe reste posé avec acuité, dans un contexte d'ambiguïté de l'assiette, d'évasion fiscale, de fraude fiscale et surtout désintéressement de la marge de la gestion locale. Il en est de même pour la levée de l'impôt, dont les queues restent d'autre part dues essentiellement au problème d'identification du contribuable et de l'incapacité à payer pour un grand nombre de contribuables au Maroc, malheureusement. Nous arrivons à la dernière partie de ma présentation qui concerne les recommandations. Nous avons des taxes locales très complexes et assises sur des bases jugées inadaptées. Bien évidemment, dans ma modeste présentation, j'ai présenté devant vous un certain nombre de taxes. Il convient, à l'instar de l'impôt cité préalablement par rapport à l'abolition de la taxe professionnelle, de la taxe d'habitation, de taxes services communaux par rapport au régime du forfait, d'uniformiser ou de donner une seule taxe référant à l'ensemble de ces taxes locales comme une première recommandation. Aussi, 6 régions uniquement concentrent l'essentiel des recettes des 12 régions. Et là, nous faisons surgir aussi la régionalisation avancée. Certes, les inégalités territoriales sont criantes, et il est clair que la réussite de la politique de décentralisation se fonde sur la mobilisation et l'affectation des ressources de financement potentielles et sur la répartition de ces ressources entre les niveaux central et local des institutions territoriales.
Malgré l'adoption de cette loi, notre système fiscal demeure dispendieux et pléthorique, si j'ose dire, à la rentabilité faible ou aléatoire des recettes. À cet effet, il y a une unanimité pour dénoncer les dysfonctionnements et les carences actuelles. Les contraintes inhérentes liées au rendement des taxes persistent. Les exonérations et les réductions fiscales favorisent certains secteurs au détriment d'autres et causent malheureusement des pertes de ressources importantes pour la fiscalité locale. En guise de conclusion, je souhaite que l'ensemble des recommandations issues de cette journée d'études soient levées au département concerné du PAR, mais aussi faisant l'objet d'une lettre adressée au chef de gouvernement afin de revoir les potentialités de notre région qui est la région de Bnimla Khenifra et aboutir à une région meilleure et un Maroc meilleur. Je réitère mes propos d'introduction par rapport à l'ensemble de la présentation ainsi que l'ensemble des ressources bibliographiques qui m'ont permis de préparer cette présentation qui sont disponibles sur le lien QR devant vous. Vous pouvez le scanner, vous pouvez aussi revoir la vidéo complète sur les réseaux sociaux ainsi que sur le portail de l'ENCG de Bnimla. Et je vous remercie de votre aimable assistance. Je donne la parole à Monsieur le Président Saïd Ganish pour la suite. Merci Monsieur Ousmane Mohamed Adnan pour la qualité de votre présentation. Elle est riche et pertinente. Concernant votre intervention, vous avez touché la fiscalité locale, une nouvelle loi 7 sur 20 sur la fiscalité locale et dont la finalité normalement est qui s'inscrit dans une série des lois qui a commencé par la loi 47 sur 6 et la loi 39 sur 07 normalement et qui a pour objectif normalement d'adapter la fiscalité locale aux changements intervenus dans le processus de décentralisation et aussi par l'adaptation par rapport à la nouvelle constitution de 2011. Vous avez commencé votre intervention par la présentation du contexte, dans quel contexte normalement cette loi a été mise en place et vous avez présenté un ensemble des chiffres et qui expliquent davantage la contribution des différents impôts et taxes dans la recette de l'État. De même, vous avez présenté bien sûr les nouveautés de cette loi, 7 sur 20, et qui touche en particulier la taxe provisionnelle, la taxe d'habitation et la taxe des services communes. Donc, merci encore une fois pour votre présentation et pour les questions, on va les garder jusqu'à la fin, Inch'Allah. Donc, je vais passer directement à Madame Ounriyad Rabi'a et Madame Chiri Iman, qui sont membres du Forum des chercheurs du ministère des Comptes et des Finances, et qui vont traiter ce qu'on appelle les mécanismes d'intégration du secteur informel au Maroc. Madame Rabi'a, à vous la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président de la séance. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes vifs remerciements à la direction de l'ENCG Bnimla, aux membres du forum des chercheurs et au comité d'organisation qui n'ont épargné aucun effort afin de réussir cet événement scientifique. J'appuie donc d'assurer son développement et d'améliorer de façon continue son taux de croissance. Atteindre les objectifs nécessite la mobilisation de ressources indispensables pour financer les projets structurants et les charges publiques. Là, pour recouvrer auprès des redevables, représente la principale source de financement auquel ont recours plusieurs pays. C'est pour ça que la communauté internationale est fortement mobilisée dans la lutte contre les mécanismes de fuite de l'impôt dans un contexte marqué par la rareté des fonds publics. D'où ma thématique qui traite le secteur informel au Maroc, diagnostic et mécanismes d'intégration. Elle s'articule autour de trois axes. Le premier axe sera consacré à la conjoncture ardue marquée par la pénurie des fonds publics. Le deuxième axe sera dédié au secteur informel en prolifération continue. Et le troisième axe comprendra des mesures vigoureuses visant une intégration fluide du secteur informel. Permettez-moi d'attaquer le premier contexte qui traite de la conjoncture ardue. La crise économique découlant de la crise sanitaire a impacté tous les maillons de l'économie, la finance et le social. Elle a aggravé le déficit budgétaire, qualifié auparavant de quasi structurel. La pandémie a également mis à rude épreuve les finances publiques.
provoquant la première récession au prix depuis deux décennies. Dans ce contexte, d'un côté, l'État a mis en place un ensemble de mesures de réponse afin de faire face à cette crise inédite. Donc, il a mobilisé des ressources pour financer toutes les actions entamées. De l'autre côté, les redevables, qui sont des personnes physiques ou des entreprises, ils ont vu leur trésorerie déficitaire. Et d'autre côté, les redevables, personnes ou les ménages, on a constaté que 1 sur 5 de ménages a reçu une aide de l'État. Aussi, selon les statistiques de Bank al-Maghrib, le taux de croissance au niveau national annoncé au titre de l'année 2021 est de 5,3%. Excusez-moi, j'ai un problème au niveau de mon PC. Pardon? Aussi, selon les dernières données affichées par le Haut Commissariat au Plan, le taux d'activité a reculé de 1% pour atteindre 44,8%. Et le taux de chômage global a reculé et il a atteint 11,9%. Et le taux de chômage urbain s'est dégradé, affichant un taux de 15,8%. Donc, un premier constat, les redevables sont dans l'incapacité d'honorer leurs devoirs fiscaux. Chose qui a poussé un bon nombre d'entre eux à se tourner. Et la POULUD est tentée d'intégrer le secteur informel. Passons maintenant au second axe. La problématique du secteur informel ne date pas d'aujourd'hui, mais il se pose avec acuité dans un contexte marqué par la rareté des recettes fiscales et la prédominance du caractère vulnérable de la population. Le secteur informel, comme on le connaît, regroupe les activités illégales, mais aussi le revenu non déclaré tiré de la production des biens et services légaux, qui serait imposable s'il était déclaré à l'administration fiscale. Le secteur informel, c'est un concept qui a fait son apparition au début des années 70 dans les pays en voie de développement. C'est un secteur non structuré, non enregistré, non organisé, ou les appeler aussi une économie souterraine, c'est une économie populaire qui constitue un mode de vie, voire de survie de la population. Le secteur informel a été le principal moteur de la construction des villes et de l'animation de la vie urbaine de nombreux pays en voie de développement. Maintenant, citons les principaux facteurs qui déterminent l'expansion de ce secteur. Le premier facteur, c'est la complexité des systèmes fiscaux. À cela, j'ajoute la rigidité de l'administration fiscale, la pression fiscale et la fiscalité mal perçue par les redevables. Les redevables se sont surchargés par la fiscalité qui pèse sur le revenu. Aussi, j'ajoute les multiples crises, l'exode rural, la sécheresse et la faiblesse de la pluviométrie, la corruption et la concurrence déloyale. Aussi, un climat des affaires qui est très hostile et un cadre réglementaire qui décourage les jeunes entrepreneurs à s'orienter vers le secteur formel. Aussi, la croissance démographique accompagnée de la progression de la population active constitue une pression sur le marché du travail légal. J'ajoute à ceci la faiblesse des sanctions pour les gens qui s'orientent vers l'informel et les charges sociales qui grèvent le coût des entreprises. Pour évaluer le secteur, l'ampleur de ce secteur, il est difficile à le quantifier. Une panoplie de rapports et d'études ont tenté de cerner l'ampleur du secteur informel au Maroc. Je cite notamment la HCP, la CGM. Et pour être contemporaine, je vais citer les données chiffrées annoncées récemment par le Conseil de veille économique. La pandémie a mis à nu le poids du secteur informel dans le pays. Le secteur informel réalise un chiffre d'affaires supérieur à 410 milliards de dirhams. Il représente 31,3% du PIB. Il représente un manque à gagner fiscal et social de 40 milliards de dirhams par an. Donc, l'informel s'accapare de 80% de l'emploi global. Voyez l'ampleur. Les 4,3 millions de ménages
qui travaillent dans ce secteur ont reçu une aide de l'État pendant la période de pandémie. Alors, vous voyez le caractère vulnérable et l'absence de la sécurité sociale dans ce domaine. Conséquence du secteur informel, je cite, c'est un manque à gagner pour l'État. Les activités du secteur informel ne sont pas ou sont peu assujetties aux impôts et taxes. Il entraîne la dégradation des biens et services fournis par le secteur public vu l'absence ou la fuite de payer l'impôt, une perte du chiffre d'affaires pour les entreprises ou les unités qui œuvrent dans le cadre du formel, puisque le poids de l'impôt et le poids des charges sociales impactent sur les bénéfices des dites entreprises. Il encourage un travail précaire et fragile. Il entraîne un gap de progressivité. Aussi, il y a un glissement. Il encourage le glissement vers le secteur informel. C'est l'effet de boule de neige. Les entreprises qui travaillent dans le secteur informel encouragent les autres entreprises à immigrer vers ce secteur. Aussi, il entraîne un relèvement du taux de l'impôt, puisque l'assiette fiscale est étroite, on est tenté vers l'augmentation de d'imposition au lieu d'élargir l'assiette fiscale et intégrer le secteur informel. Second constat, deux hypothèses. Le secteur informel représente un caractère nuisible et perturbateur. Il a des effets négatifs sur la prolifération du secteur informel et sur la croissance économique. Deuxième hypothèse, il offre de l'emploi, crée de la richesse et reste un catalyseur de développement et de croissance des économies se développant. Aussi, au niveau des pays en voie de développement, une attention très minime est accordée aux 10 secteurs, vu la puissance de l'État à l'égard de l'intégration paisible de ce secteur. Le dernier axe sera dédié aux mesures vigoureuses visant une intégration fluide du secteur informel. Selon le Fonds monétaire international, faciliter la migration depuis le secteur informel vers le secteur informel doterait la productivité de l'économie et contribuerait à débloquer la croissance inclusive et durable. Donc, il faudrait prévoir des mesures visant le soutien des entreprises familiales qui constituent la principale composante du secteur et offrent un filet de sécurité à ceux qui, sans elles, seraient probablement au chômage. Donc, les principales mesures à mettre en place, c'est un système fiscal simple et lisible et juste. Et là, il faut profiter du projet de la mise en place de la loi cadre sur la fiscalité pour mettre en place ces mesures. Une identification des entités qui œuvrent dans le cadre du secteur informel, puisque 46% de ces entités ont un emploi fixe qui est connu par les autorités au niveau local. Généraliser la couverture sociale, c'est un processus qui a été déclenché et est en cours de réalisation. Accorder un cadre incitatif et améliorer le climat de confiance pour les jeunes entrepreneurs. Faciliter l'accès au financement, surtout que, comme l'a annoncé il y a deux jours le Wali de Banque El Maghrib, le taux de rejet des demandes de financement MPLAA a dépassé les 25%. C'est un taux très alarmant. Aussi, il faut promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes, les orienter vers le secteur formel. Une autre action, dénoncer la fraude fiscale et les niches du secteur informel en toute confidentialité. Renforcer le système de détection, mettre fin au régime préférentiel, stimuler la croissance et encourager l'investissement. Aussi, il faut revoir le code de travail et insérer une disposition relative au travail saisonnier. Comme ça, on peut protéger les personnes qui n'ont pas un emploi stable et durable et peuvent bénéficier d'un contrat dans le cadre du travail saisonnier. Aussi, il faut lancer une campagne de sensibilisation et programmer des actions de formation au niveau des entités qui travaillent dans le cadre informel, parce que parfois c'est par bon foi ou par ignorance qu'ils s'orientent vers ce secteur. Alors il faut les approcher, les orienter et les encourager pour aller vers le formel.
in fine, plutôt, le Maroc dispose d'un potentiel de croissance considérable. Et le fond, se trouve des technologies intégrées qui agissent sur plusieurs composantes, le fiscal, le foncier, le social, la simplification des procédures, la clarification du cadre juridique et surtout, il faut agir sur la mentalité. Pour conclure, ou une liste de conclusions, pour que le système ou le secteur informel devienne un véritable levier de croissance et de développement, les questions d'intégration, d'insertion, de compromis et de concertation, et non pas d'un combat et d'une répression des entités qui exercent dans ce secteur. Et ce, vu le volume de la population qui vit de ce secteur et son caractère précaire et vulnérable. Et je vous remercie pour ce riche moment de partage. Merci, Madame Arabea, pour la qualité de votre présentation et d'avoir touché un problème important, à savoir comment intégrer le secteur informel dans le secteur formel. Et je trouve que c'est une occasion aussi pour mes étudiants de profiter de toutes les informations que vous avez partagées, et surtout les étudiants qui sont chargés de préparer le même exposé sur le secteur informel. Le contact, je leur donne toute la base documentaire sur laquelle j'ai travaillé. D'accord, merci beaucoup. Bon, merci. Donc, pour votre présentation, vous avez donc réparti votre présentation en trois points essentiels. Le premier point qui porte sur la conjoncture ardue, avec toutes ses caractéristiques, avec le cas exceptionnel dans lequel passe le Maroc, surtout dans l'ère de Covid-19 et son impact sur les entreprises et sur l'économie nationale. Vous avez aussi présenté des informations riches sur le secteur informel et vous avez cité comme quoi l'information représente presque 30% du PIB marocain. Vous avez aussi proposé un ensemble des séries, des mesures et pour normalement passer de l'informel au formel. Et je citerai donc quelques points. Donc, le premier point, il faut revoir le système fiscal marocain et surtout, dernièrement, le Conseil économique, social et environnemental, il a rédigé un rapport sur normalement le système marocain, le système fiscal marocain. Il a donné des recommandations pour une éventuelle amélioration. Vous avez aussi parlé quelques propositions concernant comment améliorer les systèmes et le climat de confiance, c'est-à-dire surtout dans le domaine des affaires. Vous avez aussi comment il faut encourager les jeunes à passer ou bien prendre la voie entrepreneuriale, c'est-à-dire à se lancer dans une activité entrepreneuriale, sachant que ça existe beaucoup de programmes, beaucoup de dispositifs qui aident les jeunes à prendre cette voie entrepreneuriale. Aussi, vous avez cité qu'il faut introduire des modifications au niveau de la législation de travail pour adapter, surtout, il y a des exceptions, des cas particuliers au niveau du travail, surtout saisonnier. Comme vous connaissez bien sûr la législation de travail, la dernière date à 2004, c'est un appel aussi pour revoir et introduire des modifications. Surtout quand on parle de travail à distance, télétravail, etc. Donc, c'est une nécessité d'instaurer des modifications. Merci encore une fois, Madame, pour toutes ces informations pertinentes que vous avez partagées avec nous. Et je vais donc passer à Madame Noël. Elle est là. Entrepreneuriat. Oui. Vous aviez, je vais donc passer à Madame Naïm Nawal. Donc, pour les intervenants, donc, Billam Mustafa n'a pas pu donc, contribuer avec nous et aussi avec Khalid, suite à des engagements, donc des réunions qui n'ont pas pu terminer, donc désolé. Donc, nous allons passer aux questions. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à les poser et interagir avec nos intervenants. Donc,
Donc, à vous la parole pour les questions, les remarques, les suggestions, les recommandations. Donc, on est là pour les recevoir et les partager avec nos intervenants. Bien sûr, il y a des étudiants, nos étudiants de l'ENCG qui nous suivent soit dans les salles virtuelles, soit à distance, à partir de leur maison. Bien sûr, certains viennent avoir des questions à poser à nos intervenants. Est-ce qu'on m'entendait? Oui, oui. D'abord, je me présente à l'ECG venu la deuxième année. Et au nom de mes camarades, je vous remercie pour votre temps et votre disponibilité. Ma question, c'est, est-ce que vous pensez, à travers cette crise sanitaire qui est traduite à une crise économique, on peut élargir l'intégration du secteur informel au secteur formel? En rappelant-nous le rôle providence qu'a montré l'État durant cette crise, ainsi comme la généralisation de l'arbre. Et merci. Merci. Je crois, selon votre question, c'est Madame Olivia Darabia qui va répondre à votre question. Madame Olivia. Je suis là. Vous avez entendu la question de l'étudiant? Oui, je croyais que les questions vont être regroupées. On va répondre de façon regroupée. Voilà. Je crois qu'on peut répondre à chaque question parce qu'on constate une diversité. Il y aura une diversité de questions. Donc, vous pouvez intervenir dans 5 minutes pour répondre à la question de l'étudiant. Est-ce que vous pouvez me rappeler la question, s'il vous plaît? Mademoiselle, vous pouvez répondre la question. Question. Est-ce que vous pensez qu'à travers cette crise, qui est traduite par une crise économique, on peut élargir l'intégration du secteur informel au secteur formel? En rappelant-nous le rôle providence qu'a montré l'État durant cette crise, comme la généralisation de l'AMO. D'accord. Je vous remercie, mademoiselle, pour la question que vous avez posée. Bien sûr, nous sommes en période de crise, nous sentons toujours son impact et la crise budgétaire déclarée par le Conseil d'État d'intégrer le secteur informel, surtout avec les derniers événements que tout le monde a suivi au niveau de la ville de Tanger. Et ce secteur informel, puisqu'on parle du territoire, n'est pas le principal, surtout de la région de Tanger. On sait bien, on connaît notre pays bien, qu'il existe au niveau de Casa, de Rabat, de Fès, de Marrakech, Saouira, et certainement sur Guimel, vous sentez la souffrance des personnes qui travaillent dans ce domaine et vous sentez son impact. Donc, c'est un problème prioritaire, primordial, auquel l'État devrait accorder son attention malgré ce contexte de crise. L'État même, déclarant un déficit budgétaire, a tenté de mettre en place plusieurs actions afin de cibler ce secteur et de l'intégrer. Les aides accordées pendant la pandémie n'ont pas concerné seulement les personnes qui travaillent dans le cadre formel et qui sont déclarées au fisc, mais l'État a été innovateur dans sa pensée parce que l'État, disons-le, n'accordait pas beaucoup d'importance à ce secteur. Alors, ils ont pu identifier ces personnes en mettant en place un système ou une application téléphonique. Les personnes qui travaillent dans le secteur informel se sont déclarées, elles ont été recensées et un montant équivalent à celui ou proche de celui accordé aux personnes qui travaillent dans le formel leur a été accordé.
Et là, comme vous l'avez dit, le Maroc, comme l'a dit M. Lambezon, a montré le rôle de l'État providence et même les États libéraux, ils ont été présents dans ce moment de crise et ont essayé de l'être à côté de toute la population, qu'elle soit dans le secteur formel ou informel. Je vous remercie. Merci, Madame Rabira. Une autre question, à partir de la salle. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui. Alors, je suis Yusra Etiouej, étudiante en deuxième année à l'École nationale de commerce et gestion Bni Bilal. Je vous remercie de la qualité de cette présentation. Et ma question est la suivante. Comment la loi de finances intervient pour assurer et garantir le principe d'équité et d'égalité entre les régions de notre pays, déjà préconisées par la régionalisation avancée? Merci. Merci pour votre question. Je ne sais pas qui va répondre à la question. C'est Nordé. À vous la parole. Merci, c'est Saïd. Effectivement, je reviens un peu sur la notion d'intégration de l'informel. Je rebondis sur la deuxième question, si vous permettez, Monsieur le Président. Parce que quelque part, ça m'a interrogé simplement. Je sais que Rabia est plein de dons. Moi, j'essaye un peu de m'interroger sur cette notion d'intégration. Qu'est-ce qu'on met dans l'intégration? Est-ce intégrer simplement la comptabiliser dans la comptabilité nationale? Est-ce intégrer simplement fiscaliser le secteur informel? Est-ce intégrer autre chose? Parce que là, il y a une partie dans l'informel qui est fiscalisée d'ailleurs, mais elle n'est pas intégrée. Il y a une partie qui est comptabilisée, mais elle n'est pas intégrée. Donc, c'est le mot, le concept d'intégration qu'il faut réinterroger là-dedans. Et peut-être lorsqu'on parle de l'informel des 5 millions de ménages qui ont eu bénéfice du transfert monétaire direct pendant la pandémie, pendant les 3 mois de la pandémie, les 800 à 1200 lirans par mois, ne sont pas tous non fiscalisés, sont quelque part fiscalisés. Il y a pas mal de gens qui sont patentés, qui sont dedans. Et du coup, il y a cette conception. Et du coup, ce mot intégration, au-delà du concept informel-formel, mais ce mot intégré qui nécessite peut-être beaucoup d'interrogations. Peut-être les étudiants de l'INCG ont cette capacité d'analyser, de donner du contenu réel à cette notion d'intégration. Sur la deuxième question, qui est très pertinente, je dirais, on assure l'équité régionale à travers la loi de finances. Bien évidemment, je parle ce contrôle de Céosienne qui est spécialiste de la finance locale, et là, il a bien présenté, la présentation est tellement riche et tellement lumineuse. Je dirais simplement, et j'envoie déjà une réponse pour les chercheurs, c'est que le rapport qui accompagne le rapport sur les finances locales sur le transfert de l'État aux collectivités territoriales qui accompagne la loi de règlement, elle est très riche à ce niveau et il y a des partitions qui sont assez importantes pour savoir comment cette corrélation entre le budget de l'État et les collectivités territoriales qui est fait son de la TVA, la part de la TVA, la part d'IS, etc. Il y a une part qui est rare. Ça, c'est le transfert. Il y a également la façon de revenus produits par les comptes déposés au niveau de la royaume de l'équité territoriale qui font rapporter un ensemble d'argent aux collectivités, aux personnes et aux collectivités territoriales. Mais ce que je dirais davantage, il y a une partie de l'investissement, la note sur l'investissement, la répartition régionale de l'investissement qui est également intéressante
ce concept de leadership régional par la région qui est intéressant aussi à voir à ce niveau. Mais ce qui m'intéresse, moi d'avant, c'est la logique. Il y a un an de l'argent de l'État vers les territoires. Et c'est la question sérieuse. Ces mécanismes de répartition, ces clés de répartition de la TVA, et vous pouvez revenir au décret de répartition de la TVA entre les collectivités territoriales, cette clé de répartition qui devrait être revue, qui devrait être réanalysée, et qui devrait prendre en considération deux concepts nouveaux. Un, l'efficacité de la collectivité territoriale, déjà, parce que toute la collectivité territoriale n'est pas efficace et du coup, parfois, elle reçoit de l'argent. Un, deux, le potentiel fiscal local qu'il est à redynamiser et à revoir et à revisiter. Donc, ces deux concepts qui sont importants à mon avis. Mais le concept d'équité, je reviens, le concept de l'équité est très loin à réaliser en tenant compte des clés de répartition qui sont actuelles. Merci, merci Sénordé pour tous ces éclaircissements. Un rajout, monsieur Ouzi, à vous la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le président Saïd Ganish. Alors, désolé d'avoir perturbé notre cher professeur Seuzrak, mais c'était moi l'initiateur du partage de l'écran par rapport aux dispositions de la loi de finances par rapport à la régionalisation telle que demandée par l'étudiant Yusra Aït Aouaj. Et je souhaite faire un ajout de complémentarité à tous les propos cités préalablement par nos éminents professeurs, c'est le budget citoyen. Alors, je m'adresse à tous les étudiants de l'ESCG et je porte à votre connaissance que l'État marocain élabore un budget citoyen à l'issue de chaque année afin d'aider les contribuables et d'aider les citoyens à comprendre la loi de finances. Je vais partager avec vous tout de suite le document dit budget citoyen et comme vous allez le remarquer, vous allez trouver la réponse à votre question. Il suffit simplement de sur régionalisation, vous allez trouver tous les éléments de réponse, notamment en matière de réforme de l'administration, à, par rapport à la régionalisation avancée. Alors, me voici à la page 37, où nous nous inscrivons, par rapport à la loi de finances 2021, à l'accélération de la régionalisation avancée. Nous avons en 2020 une allocation au régime de 5% des produits de l'impôt sur les sociétés, 5% de l'impôt sur les revenus, 20% sur la taxe, 20% sur les produits de la taxe sur les contrats d'assurance. Donc, tout ceci fait partie de la loi de finances afin d'avancer ce grand chantier national dit de régionalisation avancée. Par rapport aux prévisions de 2021, la loi de finances, il a prévu que l'impôt sur les sociétés, à hauteur de 5%, soit une enveloppe budgétaire de 2 milliards de dirhams. Par rapport à l'impôt sur le revenu, 5% également, mais 2,1 milliards de dirhams. La taxe sur les contrats d'assurance avec le pourcentage de 20% va donner uniquement 0,6 milliards de dirhams et la contribution du budget général à hauteur de 5,3 milliards de dirhams. J'espère que j'ai répondu à la question de Mademoiselle Yusra. Ouais, je reste totalement ouvert pour d'autres questions. Merci, M. Ouzine, pour tous ces éclaircissements. Donc, je vais passer directement à la salle. On a une autre question. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Tout d'abord, je me présente. Je me nomme Labour Azadradiza, étudiante en deuxième année à l'École nationale de commerce et gestion. Tout d'abord, on tient à vous remercier pour cette conférence pertinente et formatrice. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qu'on veut dire par le concept ou l'optique de la redynamisation de la finance publique nationale ? Est-ce que vous pouvez clarifier ce point ? Mademoiselle, la question adressée à qui ? D'accord. Qui va
Si Saïd. Oui, Saïd. Si vous voulez, vous voulez nous collecter deux ou trois questions et tout le monde, bien sûr, tous nos chers intervenants peuvent bien sûr répondre aux questions. Si vous voulez, bien sûr, c'est vous. Donc, vous avez une question de la part de Morad, oui. La question suivante. La question suivante, c'est Morad. Bonjour, bonjour mon frère. Oui, oui, à vous la parole. Oui. Donc, d'emblée, l'honneur a choisi de participer avec vous. Je me présente Morad Boumloui, lauréat du Master de droit français et management des affaires, faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de BNL. J'ai deux questions. Quel est l'impact de la fiscalité immobilière dans la lutte contre la spéculation foncière et quel est l'impact de la fiscalité immobilière sur le droit d'accès à la propriété foncière. Tout en savant que c'est un droit constitutionnel. Et merci. Merci, c'est Mourad. On va passer à la question suivante. Nos chers étudiants et étudiantes, vous avez d'autres questions? Oui, oui, c'est Saïd. Il y a la main levée de M. Salahdin. Donc, vous pouvez lui demander, lui donne la question. Salahdin, à vous la parole pour poser votre question. Bonjour tout le monde. Oui. Oui. D'accord. Donc, je suis Salahdin, je suis étudiant de licence professionnelle à la FP de Nîmes. Donc, je vous remercie premièrement pour l'organisation de cette table ronde. Je remercie aussi très profondément le chef conférencier pour les informations, ou bien pour leurs interventions qui étaient très riches. Donc, ma question est la suivante. Entre les enjeux des dépenses publiques qui sont primordiales, surtout le secteur de la santé et le secteur de l'enseignement et les charges de l'État ainsi que la dette internationale qui pèse l'eau et l'enjeu économique qu'a causé la pandémie COVID-19, est-ce que l'État a vraiment cette option de rectifier ou bien de préparer une finance qui est en faveur de l'investissement de l'attractivité territoriale en mettant en place une mesure fiscale que le cher conférencier ont projeté en leurs interventions. Monsieur Salah, droit au but, merci de poser la question, s'il vous plaît. Voilà, donc ma question, c'est est-ce que l'État a vraiment cette option de rectifier ou bien de préparer les lois de finances en faveur de l'investissement et l'attractivité territoriale en mettant en place les mesures fiscales que nos chers conférenciers ont en leurs interventions. Et merci. Merci, M. Salah. Une autre question. S'il n'y a pas de questions pour le moment, on va passer à la réponse aux questions posées par... Vous avez une question au niveau de la salle, Saïd, si vous voulez bien sûr. Donc, je crois que la salle, les étudiants au sein de la salle virtuelle ont levé la main. À vous la parole, chers étudiants. Posez la question. D'accord. Ma deuxième question, c'est... On sait que parmi les mesures qui ont été faites aux lois de finances de 2021 et l'augmentation et réduction, c'est-à-dire vos droits d'importation sur quelques produits pour but de développer l'économie et pour encourager la production nationale puisqu'on aborde des produits qu'on peut les substituer avec des produits nationaux. Pourquoi les économistes le considèrent comme un arme de tranche? Merci. D'autres questions?
qu'il y a une autre question à partir de la salle virtuelle? J'ai une question à propos de l'application de la loi de finances de 2000. En fait, il y avait une augmentation fiscale à l'importation. J'aimerais bien savoir si ça a impacté les entreprises ou non. Les entreprises marocaines spécialement. Voilà, merci. Merci. Voilà, donc on va revenir aux intervenants pour répondre aux questions de Michel. J'ai plusieurs éléments de réponse. J'ai demandé juste après la première question. J'ai bien pris note de la question de la première par rapport à la réminisation. Alors, j'ai voulu compléter. Elle a parlé de déminalisation des finances publiques, c'est ça? Mademoiselle qui a posé la question, vous pouvez donc répondre. Abou Hajar Khadija, la première question, quelle était votre première question? Sur la redynamisation de la finance publique. Comment redynamiser les finances publiques? Alors voilà, je vais essayer de donner des éléments de réponse à la question, ainsi qu'à une autre question. Comme vous le savez, vous êtes bien évidemment, vous allez vous mettre à la peau du gouvernement et vous êtes devant une pandémie qui bloque totalement l'économie pendant 3 mois. De toute façon, l'économie mondiale a été affectée. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut bien évidemment recourir au prêt, c'est-à-dire que l'État marocain va prêter de l'argent de l'international. Il y a bien évidemment la ligne de précaution du Fonds monétaire international qui a été bien évidemment utilisée, comme il y a bien eu évidemment recours à plusieurs sources de financement. Il n'y a pas une baguette magique, une solution idoine pour s'en sortir de cette crise. Néanmoins, pour parler de redéminiser les finances publiques, il faut que les taux d'imposition tels qu'ils ont été revus touche d'une façon équitable l'ensemble des activités. C'est vrai que la loi de finances est un outil pour orienter l'économie, c'est aussi un outil pour encourager un secteur par rapport à un autre, mais devant un contexte si difficile qu'il soit. Et je rejoins aussi la question qui a été posée de chez M. Salahdine, si je ne me trompe pas, que de mes classes, c'est tout ce que je retiens. Par rapport à comment est-ce qu'on peut faire face à une situation de il n'y a pas une formule magique. Il faut absolument recourir à l'endettement. Alors, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs qui ont été faites avant 2013. C'est vrai que le Maroc a élaboré plusieurs points dans la loi de finances qui lui ont permis d'atteindre les objectifs escomptés. C'est-à-dire qu'il a fallu que investissement et un rapport d'impact, c'est-à-dire que chaque investissement, chaque dépense publique ait un impact à court ou à moyen terme. Ceci dit que la loi de finances est bien évidemment rediscutée après chaque 3 ans. Et pour redéminiser, comme vous le dites, les finances publiques, il faut que cette imposition soit orientée. La loi de finances 2020, telle que vous l'avez vue, il ne vient pas au hasard. J'aimerais bien parler un peu aussi de la loi rectificative de 2020. Comme vous le savez, la loi rectificative de 2020, elle a donné plusieurs prérogatives au secteur de l'immobilier. Bien évidemment, parce que quand le secteur immobilier se bloque, c'est toute l'économie qui se bloque. Donc il y a bien évidemment des mesures fiscales incitatives pour vendre un bien immobilier sans pour autant payer les droits d'enregistrement. Mais ceci a été transitoire. Je donne simplement des exemples. Dire que l'État, face à une telle situation,
qui doit impérativement recourir à l'endettement et échelonner cet endettement sur les années à venir, établir tous les secteurs vitaux afin de relancer l'économie. Je cède la parole également au cher professeur s'il veut donner des éléments de réponse pour les autres questions. Oui, la question suivante qui porte sur la fiscalité immobilière. On vous la parole, cher intervenant, pour répondre. Oui. عندي فقط فيما يخص سؤال مجال تخصصي مسألة مهمة أشار إليها الأساس الفرنسي محمد الزين وزين أرض الأزرق وإشارة محمد الزين زميل وناشط وعضو سابق في مدينة الاقتصاد تطرق مع جوابا عن السؤال طالبة حول مسألة العدالة والإنصاف توزيع المأولة توزيع الأعباء والموارد ما بين الدولة وما بين الجهات. لابد من الإشارة هنا إلى أن الفصل 142 من دستور المملكة المغربية كان قد نص على ضرورة إحداث ما يسمى بالصندوقي صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن ما بين الجهات. والغاية من هذه الصندوقين الرئيسيين هو أن يتم سد العجز في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية الأساسية والتجهيزات وكذلك توزيع المتكافئ للموارد قصد تقليص التفاوت ما بين الجهات. هذا الصندوق خصوصا يخص صندوق التأهيل الاجتماعي جاء قانون المالية رقم 7015 للسنة المالية 2016 وأحدث هذا الحساب الخصوصي المتعلق بالتأهيل الاجتماعي. كذلك صدر مرسومين آنذاك منظمين معايير استفادة الجهات من هذا الصندوق من صندوق التأهيل الاجتماعي وكذلك معايير توزيع الموارد المالية لصندوق التضامن ما بين الجهات على يعني هذا الصندوق الغاية منهما هو أن يتم رصد موارد مالية محولة سواء من الدولة إلى الجهات وتحديد هذه المعايير بين الجهات التي تعاني من خصائص على سواء على مستوى البنية التحتية أو في خصائص من الموارد من أجل مساهمة النهوض على الاختصاصات التي أوكلتها لها القوانين التنظيمية المنظمة لاختصاصاتها. مسألة أخرى متعلقة بالرسوم الجمركية خصوصا تلك المرتبطة بمجموعة من اتفاقيات التبادل الحر التي كان قد وقعتها المملكة المغربية مع مجموعة من البلدان والتي تعاني من عزل تجاري مع هذه الدول. لهذا الغاية جاء قانون المالية 2021 وقام بالرفع من مجموعة من هذه الرسوم. وأنا هنا أود أن أعطيكم رقما رسميا صادرا عن معهد الإحصاء التركي بالضبط ما التقرير الله صدرته يوضح حجم العلاقات التجارية بين تركيا وبين مختلف البلدان العربية. ضمن هذا التقرير أي تقرير معهد الإحصاء التركي لسنة 2021 تجد بعض المعطيات المرقمة في إطار العلاقة ما بين المغرب وتركيا. إذا أخذنا الأرقام بلغة الأرقام تركيا أو إلى المغرب ما قيمته 2 ديال المليار و50 و52 مليون ديال الدرهم يعني 2 ديال ما أزيد من 2 ديال المليار ديال الدرهم حاصلة أرباح أو نقولوا أرباح تركيا من هذه المغرب يصدر بالمقابل إلى تركيا 641 مليون درهم مليون دولار فقط بما يفرز عجز في هذه العلاقة يقدر بأزيد من مليار فاصلة 5 مليون درهم. هذا فقط نموذج تقرير رسمي صادر عن الإحصاء التركي يوضح العلاقة التجارية ما بين المغرب وتركيا والعجز أو الفائض لصالح من هنا لزمن في هذا الصدد أن تتدخل الدولة أكيد التدخل يتم عن طريق قوانين المالية أو قوانين المالية السنوية من أجل أن يتم الرفع من المجموعة من رسوم لبعض المواد خصوصا تلك المواد التي
تنتجها وتصنعها من توجيهات مقاولات ومؤسسات مغربية من أجل حماية هذه هذا المنتوج الوطني. نقطتين رئيسيتين كان لابد أن أبلي بهما وأحول لكما الكلمة السيد الرئيس. شكرا سي عثمان على هذه الإضافة وعلى المعلومات القيمة اللي ضفتها. كاين سؤال كيخص لي دغوا دامبورتاسيون اي كومون انكوراجي لي برودوي ناسيونو. نطلب من المتدخلين تفضل. En tenant compte d'un certain nombre de questions, bon, une bonne partie a été dit par Simon Adnan et Atman. Moi, je reviendrai sur deux questions. Un, les droits de douane à l'importation et à l'exportation, et sont-ils des armes ou une arme à double tranchant? Je dirais que oui. C'est un arme à double tranchant pour deux raisons. Un, lorsqu'on essaye de faire un certain protectionnisme, notre économie, bien évidemment, a l'avantage de prospérer parce que la consommation locale augmente pour le produit local, le produit national, mais également deux choses peuvent arriver. Un, la concurrentialité du secteur local, peut-être qu'on voit qu'il y a une petite paresse dans l'entreprise nationale parce qu'il sent qu'il est à l'aise dans son territoire et dans son environnement, mais également la qualité parfois du produit baisse à ce niveau. Donc, c'est et d'un autre côté, la question de mise à niveau de l'entreprise d'une manière générale est toujours lorsqu'elle est protégée, elle est davantage dans sa zone de confort. Et du coup, la concurrence à l'international est à la fois aussi bonne et mauvaise, c'est ce que disait Stetsman, parce que quelque part, notre balance commerciale et notre balance de paiement sont mises à mal par les ouvertures que nous avons, les zones de libre-échange, et voilà, sont très mises à mal avec leurs équipes, etc. Dans les zones de libre-échange et dans des accords de libre-échange que nous avons eus, parce que, et là, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse, parce que notre tissu économique est un tissu économique basé à 95% la petite et moyenne entreprise. Et comme on sait normalement, la petite et moyenne entreprise n'est pas une entreprise exportatrice. C'est davantage la logique devrait changer pour avoir ce qu'on appelle les ETI, des entreprises de taille intermédiaire qui sont à la fois entre l'entreprise à petite et moyenne entreprise et la grande entreprise pour être la grande entreprise. Et c'est ça, cette couche d'entreprise à laquelle on ne prête pas attention. Et d'ailleurs, dans notre débat national, et j'incite les chercheurs à le chercher, le débat national, ils ne trouveront même pas le concept de l'entreprise à taille intermédiaire, ou le concept de petite entreprise et entrepreneur et grande entreprise. On ne trouve pas cette couche dans nos débats nationaux, que ce soit en termes fiscaux, ou en termes de protection, que ce soit en termes d'avantages sociaux, etc. D'avantages. Il faut qu'on ouvre cette brèche d'analyse parce que l'entreprise intermédiaire est une entreprise sur laquelle on peut s'appuyer si on veut vraiment être une économie. Là, la protection est nécessaire. La protection est nécessaire lorsqu'on a quelque part la matière première. Et le problème qu'on a, partie de la matière première, la matière énergétique et les facteurs de production, le moyen de production, le matériel, etc., est toujours important. Et là, on est dans cette dualité et cette dualité vraiment nous pose la question d'être une arme à double tranchant sur ce point, sur cette question. L'autre question à laquelle je veux revenir, c'est la notion de la fiscalité locale.
Et là, parfois, on est dans le, lorsqu'on parle de l'attractivité territoriale, lorsqu'on parle de l'attractivité au niveau du territoire, économique au niveau du territoire, on se base sur cette logique de fiscalité entre évidemment. Il ne faut pas qu'on parle de la, de la fiscalité localisée, parce que quelque part, lorsqu'on est dans la localisation de la fiscalité, je ne parle pas de la territorialité pour qu'on principe de fiscalité, non. Je parle de la fiscalité localisée. C'est un débat qu'on avait, c'est un débat qu'on a toujours sur la sphère internationale, c'est l'autonomie financière et fiscale de collectivités territoriales dans le cadre de libre administration de la collectivité territoriale. Et là, on peut créer un problème sérieux qui est la concurrence fiscale entre les collectivités territoriales et entre les territoires d'une manière générale. Et qui peut être une fiscalité dommageable d'une manière générale pour l'ensemble des collectivités territoriales. Et ça, c'est quelque chose ouais, c'est un des plus... sur un schéma sur la République, mais bon. Donc, cette fiscalité, il ne faut pas qu'on la pense localisée. Il faut qu'on ait toujours un niveau d'harmonie entre la fiscalité nationale et la fiscalité locale qui permettra à la fois une redistribution du national vers le local, mais également non pas une concurrence entre les une concurrence fiscale entre les collectivités territoriales qui ne peut être que dommageable pour l'ensemble. C'est les deux questions à laquelle auxquelles je voulais parler, mais il y a une autre question, c'est la loi de finances rectificative par rapport à la fiscalité à l'importation et la production des entreprises. À mon avis, c'est la production de l'entreprise. Je me souviens de, lorsque la télévision marocaine a eu comme invité à interviewer c'est Abraham Hajjouji Rahmon lorsqu'il était président de l'Union générale des entreprises du Maroc au moment de la de Rada. Il disait une chose et disait une image qui est intéressante. L'entreprise, donc l'équilibre d'Yellow est dans sa façon de pédaler, dans sa façon d'avancer. Et du coup, il est nécessaire, lorsqu'on est entrepreneur et on est dans la nécessité de produire. Si on ne produit pas, on dépose le bilan. Et du coup, là, le droit à l'importation, la taxation de l'importation ou l'aspect protectionniste que peut l'État faire, c'est permettre cette logique de productivité de l'entreprise, ou cette production de l'entreprise. Toutefois, la logique marocaine, qui n'est pas entrepreneuriale, qui a la notion de bénéfice, et ça c'est question culturelle, question de coutume, question de ce qu'on veut, si nous, Marocains, nous n'avons pas, oui, je ne dis pas ça, nous devons changer pour la logique entrepreneuriale et non pas rester dans des zones de confort. Désolé, M. le Président. Merci, c'est noté. Pour c'est aussi, vous voulez ajouter quelque chose? Exactement, je voudrais brièvement, Monsieur le Président, j'ai partagé avec vous un diagramme sur la dette publique et je souhaite donner aux étudiants des éléments de langage pour s'insérer dans la scène internationale à proprement dit. Alors, par rapport au Maroc, il s'est engagé dans des règles d'or des finances publiques, communément connues en arabe, par les قواعد الذهبيه للتدبير المالي العمومي. Et ceci ne date pas d'aujourd'hui, mais bien de 2007, où vous allez remarquer que le pourcentage de la dette publique a légèrement baissé pour augmenter graduellement et se plafonner avant à 65,9%. Mais figurez-vous qu'on parle avant 2019. Quand on parlait des règles d'or des finances publiques, ce n'est pas un chantier national uniquement. Les pays européens eux-mêmes n'ont pas pu respecter ces règles d'or.
ce que je souhaite donner aux étudiants de l'ENCG et à tous ceux qui nous suivent, c'est que il y avait la crise de 2008 et vous allez remarquer que le début de ce graphe commence à partir de 2008 et nous allons encore une fois vivre le même scénario à partir de la crise du Covid en 2020. Donc c'est comme un scénario qui se répète. Mon ajout concerne des cabinets spécialisés dans le suivi de la dette publique des pays et je souhaite évoquer le Standard & Poor's, le S&P. Le Royaume du Maroc également prend note des rapports de ce cabinet et c'est l'ajout que je souhaite ajouter dans la présente allocution et merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Ozine. Je vais passer à la deuxième liste des questions. Je crois nos étudiants à la salle virtuelle, donc ils ont des questions à nous poser. Monsieur Amani. Bonjour Monsieur le Président. Je suis Chouaïd Amani, étudiant de la première année à l'École nationale de commerce et de gestion Brimlen. D'abord, je tiens à adresser mes vifs remerciements à tous les conférenciers pour leur prise de parole, ainsi à tous qui ont contribué à la réussite des travaux de cette journée d'études. Ma question est adressée à M. Nordezrak, qui porte sur le crédit d'amortissement accordé aux petites entreprises en cette période de relance. Certes, il y a des plafonds à ne pas dépasser dans le cadre de ce crédit. Pouvez-vous, monsieur, nous les détailler et quelles sont les garanties demandées pour ces entreprises éventuellement touchées par la crise? Et merci, monsieur. C'est noté. Si. Vous m'entendez? Je suis là. Oui, 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 je suis là. C'est une vraie goal, je disais. C'est une vraie goal de revenir sur l'ensemble des éléments à donner de Tamar. Toutefois, je peux dire pour le moment, et je vois qu'il y a tout un article qui a été publié par le comité de veille sur lequel je ne reviendrai pas souvent parce qu'on peut le lire ensemble. Et je suis désolé, je ne l'ai pas en tête en ce moment, pour être honnête, mais ce qui est davantage, c'est que Daman Oxygène est un programme, c'est une façon de que l'État est intervenu au moment de la crise à ce niveau pour la toute petite et moyenne la toute petite entreprise en matière de relance, qu'on appelle le relance entreprise, et le Daman relance pour les autres entreprises et qui concernait à la fois qui concernait notamment et là c'est je remercie Siaknen qui a diffusé ce diapo où il est rappelé le tout à ce moment mais ce qui est intéressant pour moi c'est que l'État garantit à peu près quelque chose comme jusqu'à concurrence de 95% du prêt que la banque peut attribuer à l'entreprise, à la petite et moyenne entreprise. C'est ce qui est important pour moi, c'était une garantie de l'État pour que l'entreprise peut avoir accès au prêt et à la voie qui peut lui permettre, ce prêt peut lui permettre la constitution d'un fonds de roulement pour la continuation des activités. Le détail, je pense, je suis en train de lire la diapo de mon collègue sont là-dedans ils sont détaillés là-dessus sur les deux diapos diffusés par notre ami Céline. Merci Monsieur le Président. Merci Simon Tim pour toutes ces informations pertinentes que vous avez donc ajoutées. Je vais donc passer à la salle Hasna Hadis là une question. À vous la parole, Hasna. Oui, monsieur. Bonjour à tous. Je suis Hasna Hadis, une étudiante de maître CCA première année de Vimlen. D'abord, je veux remercier tous les participants de cette conférence. J'ai une question concernant la loi de finances et la crise sanitaire que nous vivons aujourd'hui. Ma question est la suivante. Quels sont les déséquilibres
des finances publiques pendant cette crise. Et merci. Merci pour votre question. Je crois que M. Ouzine va répondre donc, à cette question. Bien évidemment, les déséquilibres sont à tous les niveaux, social, économique, même au niveau de concurrence qui fait objet de mon présent actuel emploi. Bien évidemment, même la concurrence a été touchée. Je souhaite seulement ajouter un apport avant d'arrêter le partage de l'écran, c'est qu'il y a un code QR sur la présente diapositive partagée avec vous et qui contient le renvoi à toutes les dispositions fiscales par le Royaume du Maroc en période de Covid, c'est-à-dire à commencer par Daman Oxygène, parce que maintenant on ne parle plus de Daman Oxygène qui a été remplacé par le projet Relance. Donc c'est une présentation que j'ai préparée dans le cadre d'un autre événement scientifique et qui concerne l'ensemble des dispositions fiscales et des interventions de l'État en période de Covid que je partage avec vous également. Il suffit de scanner le code QR affiché à l'écran et vous allez avoir l'ensemble de ces informations. Pour revenir à la question de Mademoiselle Hesna concernant les déséquilibres, bien évidemment, quand il y a eu l'arrêt de l'économie nationale, il y a bien évidemment eu arrêt des ressources. Et quand on parle de ressources, des ressources de l'État d'une part, mais aussi par rapport aux ménages. Donc les ménages n'ont plus de ressources, non plus, à cause de la pandémie, ne peuvent plus partir au travail. Donc et c'est un déséquilibre qui a été traité par l'État à deux niveaux. Donc il y a eu une aide directe. Donc c'est une aide directe qui a été donnée aux ménages, donc par rapport au secteur touché, à commencer par les ouvriers, à commencer par ceux déclarés à la CNSS, ensuite ceux qui ne sont pas déclarés à la CNSS, et par la suite avec des aides indirectes aux entreprises. Nous avons bien évidemment parlé à l'instant même de Daman Oxygène, puis par la suite du projet Relance. Ce sont tous des crédits qui ont pu être accordés aux entreprises afin de relancer l'économie. Il ne faut pas confondre le crédit avec une ligne de financement. Quand vous avez une entreprise et vous avez un fonds de roulement, vous avez besoin pour payer les salariés, vous avez besoin pour acheter de la matière, donc vous avez un besoin en fonds de roulement. C'est ça ce que les banques financent par rapport au crédit stricto sensu juridiquement parlant. Donc ça, c'est un autre volet qui a aussi été traité par le Wali de Bakl Maghrib dernièrement, et dont il convient de préciser aussi qu'il y a un taux de rejet très important, mais il ne faut pas perdre de vue que le Gavi, que le Royaume du Maroc a aussi un chantier vaste à faire là-dessus, notamment en matière de blanchiment d'argent et tout ce qui va avec. Revenons toujours au déséquilibre. Donc les déséquilibres, ça saute aux yeux. Mais que faire pour atténuer ces déséquilibres et comment faire pour accompagner l'entreprise en cette période difficile de Covid. C'est vrai que le vaccin est prometteur et que le Maroc est champion aussi bien au niveau régional qu'au niveau mondial en matière de vaccination. Mais le vaccin à lui seul n'est pas la solution idoine. Il faut bien évidemment un accompagnement qu'on a essayé de traiter lors de cette conférence, non seulement par les mesures fiscales, mais aussi je souhaite souligner par rapport au Maroc qui a un contexte particulier, c'est cette solidarité entre citoyens du bas et c'est cette solidarité culturelle, si j'ose dire. Le Royaume du Maroc a été impacté légèrement en douceur par rapport à la crise de Covid grâce bien évidemment à ce point de solidarité, mais aussi à la précaution et aux épargnes des ménages. Je pense que ce point doit à lui seul une conférence à part entière. Je vous donne la parole, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Ouzi. Je vais revenir à nos étudiants. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions complémentaires? Oui.
مستوى النقطة الطالبة متعلقة بالاختلالات على مستوى الميزانية أو لا اختلال التوازن ديال الميزانية في فترة الجائحة ديال الكورونا ولا وما بعد أكيد أن قلنا الجائحة سببتنا مجموعة من تراجع ديال الموارد وتزايد مجموعة من النفقات الطارئة. الأمر الذي يمكننا نشير له في إطار تبرير الميزانية هي لابد إشارة إلى مسألة مهمة، مسألة ما يعرف برصيد العادي في الميزانية. السولد أوردينير ربما السين أوردين لا يريد أن يتحدث فيه، ولكن هي مناسبة لكي أستفزه شيئا ما في هذه النقطة. ما ينبغي أن نثيره في هذه النقطة خصوصا لأنه بالعودة إلى المادة 35 من قانون المالية 2021 حاليا. المادة 35 تضمن جدول التوازن الميزانياتي. الجدول ديال التوازن الميزانياتي اللي طالب عليه الطالبة سواء في القانون المالية لسنة 2021 أو المادة 9 من قانون المالية المعدل لسنة 2021. غادي نلاحظوا واحد الظاهرة هي سلبية، نقول عليها سلبية سيئة في تدبير المالية العمومية، وهي أكيد أنها نتاج جائحة ديال كورونا. شنو هي الظاهرة هذه؟ هي الرصيد السلبي للرصيد العادي السلبي للميزانية. السولد أوردينير إلا رجعنا في إطار قانون المالية المعدل المادة كما قلت غادي نلقاو أن الرصيد العادي للميزانية وصل ناقص 32 مليار ديال الدرهم. هذا الرصيد العادي جرت العادة أنه يكون دائما ومفترض أنه يكون دائما رصيد إيجابي ما يكونش نيجاتيف. علاش؟ لان ملي كنتحدثوا باش نزيدوا واحد الامور ملي كنتحدثوا ما على الرصيد العادي للميزانيه هو نتاج المقابله ما بين المداخل العاديه والنفقات العاديه. جمع الجائحه 2020 قانون المالي المعدل وفي قانون الماليه 2021 نفقات الموارد العاديه للميزانيه لم تغطي نفقاتنا العاديه. اكثر من ذلك خلفت لنا رصيدا سلبيا بما قيمته ناقص 32 مليار قانون المالية 2020 المعدل وناقص 25 مليار قانون المالية 2021. وهذا احدى الظواهر في التوازن في تدبير الميزانية في هذه السنتين 2020 و2021. شكرا سي عثمان على هذه الإضافة. كما رجعت قبل طلبة الحديث إذا مش هناك أسئلة إضافية. أنا أول مرة أعتقد بأنه ما كاينش أسئلة إضافية وغادي نعطي الكلمة للأستاذ صبري محمد مدير النيابة ديال الوطني للتجارة على الكلمة الختامية. أستاذ صبري أقول لا فقط. هو في الإف بي. نعم. هو بكون مكتب معنا. أه. أنا ما كنت التطبيق ديالو. واه. بغيت نشوف التطبيق ديالو. صبري عنده. أه. 6 76 85 90 D'accord, très bien. Alors, merci beaucoup. En tout cas, on tient à remercier chaleureusement nos chers conférenciers pour leur disponibilité et tous les conseils qu'ils ont apportés à nos chers étudiants. Merci aussi au comité d'organisation. Donc, vous avez vu, j'ai essayé de suivre un tout petit peu avec vous toutes les interventions. Mais malheureusement, donc, j'ai pas pu me concentrer sur la globalité des interventions de votre mission. Donc, je suis à la faculté pour les disciplines maintenant, votre mission d'examen et d'organisation. Mais en tout cas, nous allons être encore très contents de vous recevoir, nos chers conférenciers en présentiel dans notre région de Mimdar-Khalifa, dans le cadre des activités que nous organisons, Inch'Allah. Avec tous nos enseignants de l'économie et de gestion et pour nos étudiants, que ce soit des étudiants de l'ENCG, de la fac polydisciplinaire ou aussi de la faculté d'économie et de gestion que nous avons lancée, alhamdoulilah. Et donc, je vous remercie.
Un petit bonjour à nos étudiants aussi qui sont dans les classes virtuelles, qui nous suivent et qui ont suivi avec beaucoup d'attention les activités. Ou, inshallah, tu fais le jamais. Donc, on n'a pas pu organiser un déjeuner virtuel. Hein, donc, on vous invite tous au déjeuner dans vos places. Mais en tout cas, inshallah, l'année prochaine. Merci beaucoup aux organisateurs, au comité d'organisation. C'est Odbo Sirganish, c'est Abmoula, c'est Gouskir, Madame Ilham Tawaf, c'est Redalla et toute l'équipe, évidemment, d'Yal Sin Wadden, d'Yal Jumi. إذن شكرا لكم وإلى ملتقى الله. شكرا لكم. شكرا لجميع الأعضاء اللي حضروا معنا في المنتدى ونتمنى نقبلكم هنا في لوكو دو سي جي إن شاء الله في العام الجاي. شكرا سي عثمان، شكرا سي نور الدين، شكرا سي وزير محمد، سي الكاني، سي مراد، سي ربيعة، سي عثمان. سي مصطفى بلاد وخطر عليه الحضور والسادة المشيري إيمان من نايمنا واتايا تعطر عليها الانترفونسيون ولكن يتمنوا استقبلوا واتايا إن شاء الله في لوكو ديالنا العام الجاي ودير انترفونسيون معنا وسي جوهري وديع وسي مهدي حرنوش التهواط وكنشكركم كاملين على الإنجاح ديال هاد الندوة العلمية ونتمنوا بأن الطلبة ديالنا استفدوا منها على جميع المستويات وشكرا لكم مره اخرى كلمه الشكر راه شي حاجه قليله فيكم لانه المجهودات اللي درتو والوقت ديالكم اللي هو بطبيعه الحال ثمين باش توقفوا مع الطلبه ديالنا شكرا لكم بزاف شكرا سي عثمان مره اخرى لاباس ليك مع السلامه يلاه نعيد السلام عليكم أستاذي تبارك الله عليك شكرا جزيلا مرحبا مرحبا أستاذ رشيد I'm going to go to the hospital.